pral gen appel à manifestation d'intérêt pour 45 communes ça. Ça veut dire 146 communes pays a n'importe qui monde qui veut venir produire courant dans pays d'Haïti pour distribuer pour toucher comme là. On finit pour payer l'état taxe nous parler. Même Jacques EDH lui-même qui possède des ligues EDH a travaillé dans le tribunal fait déjà contrat signé déjà. Pour que pour gagner usine centrale d'Ouer qui n'a pas sondé cap marché pour EDH posséder centrale j'aime toujours dire propre à énergie propre qui est dans le pays. Tout travail qui peut faire pour nous produire énergie éolienne dans la zone nord-ouest, nous voulons parler de Mont-Saint-Nicolas, nous voulons parler de Monvan, nous voulons parler de zone La Cazorie qui est dans la zone ouest, nous voulons parler de zone Tirobi, zone qui est très vantée qui est dans la zone Mont-Saint-Christophe. L'État travaille pour que nous-mêmes, je me dis là, nous mettons l'État au service peuple là. L'État, dans tout pays sur la terre, l'État c'est lui qui peut charger pour le peuple service. Et c'est pour ça que nous là pour nous mettre l'État au service pays. Nous sommes sur le palais national. Nous venons constater aujourd'hui pour permettre que nous soyons sous-dimensionnés les bâtiments qui j'ai pour faire. Et ça a une importance encore, parce que nous, aujourd'hui, l'État qui prend charge. Nous, c'est le laboratoire national qui a fait étude, ce n'est pas une institution privée qui a fait. Et même, nous, on prend toute équipe pour faire, pour nous construire par le national, pour montrer que nous-mêmes, l'État, aujourd'hui, nous prend charge. Donc, on parlait dans le COVID, même jean un aéroport international. C'est ça qui explique aujourd'hui là, que nous présents là, nous venons constater ça qu'a fait là. Ça, c'est l'étude de base. Moi, je t'ai dit, c'est une promesse que je t'ai dit que 2018 là, nous faisons pause première pierre là, mais il faut que tout le monde connaisse que l'on a construit l'immeuble, ou pas, ouais, ça qu'a fait là, mais il y a plus de travail qu'a fait. Il y a plus de monde qui dit, bon, le président a posé première pierre à Palais National depuis 12 janvier, qui ça qu'a fait? C'est la raison que ça a fait. Je vous dis en là pour le peuple à connu, même nous avons arrêté qui pour mettre sous pied le mouvement pour construction par l'air. Ça veut dire qu'il y a un compte qui va l'ouvrir à partir de ministère finance qui travaille pour pour respecter la loi qui va permettre de nous rendre compte que tout le monde a participé. Même gens, jeunes dans la cité soleil qui ont bâillé 10 000 gouttes, jeunes dans la commission jeunesse qui bâillent 250 000 gouttes. Chaque 25 000 gouttes par département, ça veut dire que nous commençons à faire des cobs, mais nous pourrons écouter pour nous déposer. C'est pour ça que nous prenons une décision pour prendre un arrêté qui va permettre que gagner un compte qui fait dans la banque pour une transparence, nous nous avons pour garder pour voir qui ça a fait, parce que jamais nous sommes sous le deal là. L'État prend charge. Et là, nous disons l'État prend charge. Le laboratoire national aujourd'hui, en directeur qui là, ce n'est pas seulement l'équipement que vous nous. Après le tremblement de terre, là, l'État haïtien, à travers la faculté des sciences, a un groupe d'ingénieurs qui était parti, qui était en formation, qui vient au niveau doctorat. Actuellement, nous avons plusieurs docteurs. C'est parce que nous avons une zone qui a pile risque sismique. Nous n'avons pas une zone comme ça pour que la formation soit faite dans l'université. Nous-mêmes, l'État, pour ne pas ouvrir, pour nous garder ça qui a passé. Pour nous capables de bien des formations adaptées à problèmes de pays. Parce que j'aime toujours dire, nous faisons partie de solutions, nous ne pouvons pas faire partie de problèmes. Gros problème, Haïti, nos zones sismiques, à haut sismique. Ça veut dire, faut nous-mêmes nous commencer à prendre des décisions pour nous former le monde. Et j'aime toujours dire, pas une génération spontanée, ce n'est pas demain matin que vous parlez d'ingénieur, ça vous parle. Ça veut dire, même j'aime nous dire, après tant de terre, 12 janvier, nous avons un groupe d'ingénieurs voyager, je vous dis, nous tournons avec un niveau de diplôme de troisième cycle. Cela veut dire que nous avons des PhD, des docteurs en géosciences dans le pays. Ces mêmes gens, jeunes, qui ont formé dans le niveau de maîtrise, nous avons un diplôme de deuxième cycle, pour nous avoir des jeunes qui ont des capacités pour travailler avec le laboratoire national. Toute étude construction qui va être faite, pour qu'il y ait de bonnes études structures qui font dans le pays, pour que le monde ne puisse pas décider un jour matin de ne pas construire un camp et puis d'aller la reconstruire. C'est pour ça que je profite de ce moment ça. Pour me parler avec la collectivité. Surtout, vérifier
pour que les gardés. Parce que nous n'avons pas qu'à construire tombe dans le pays. Je veux dire, il faut porte ville liée, villiers, il faut construction qui peut faire dans votre pension. Nous avons un pile de problèmes. Nous avons pile de bagages pour nous corriger. C'est des erreurs qui passaient déjà. Mais quand il y a un travail pour nous assurer que la construction qui peut faire dans le pays, il faut respecter les normes CISPA, CISPA, il faut respecter les normes parasycloniques. Et le palais national n'est pas exempt de principe ça. Il faut parler national, respecter les normes parasismiques, il faut respecter les normes parasycloniques. Pour nos 25 ans, notre entreprise existe résister à la demande de tête. Merci. Et professionnel, est l'actualisation de la législation y afférente. C'est dans cette perspective que le projet de loi portant réorganisation et modernisation de la formation technique et professionnelle a été acheminé au Parlement au fait que le droit. Le projet de loi portant réorganisation et modernisation de la formation technique et professionnelle respecte les prescrits de la Constitution de 1987 amendé. Il est rédigé suivant les normes régissant la matière. Il contient 25 visas, 8 considérants, 6 titres et 34 articles. Les amendements suivants ont été apportés par la Chambre des députés. À l'article 3, le mot formation est remplacé par l'élaboration de la politique sectorielle. À l'article 10, la dernière phrase est remplacée par il soumet au conseil d'administration le programme annuel de l'INFP ainsi que l'état détaillé de tous les comptes semestriels. L'article 13 a été amendé par la Chambre des députés comme suit. Le mode est fixé par les règlements intérieurs du ministère de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle. Tandis que cet article dans le projet de loi initial a été libellé ainsi. Le mode de désignation des membres du CNFTP est fixé par arrêté du ministre chargé de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle. À l'article 14, la première phrase, la formation professionnelle et technique est une responsabilité de l'État et des collectivités municipales, est remplacée par la formation professionnelle et technique est une responsabilité de l'État et des collectivités territoriales. De plus, dans la troisième phrase, le mot communal, municipalité, est remplacé par territorialité. Un article 33.1 a été ajouté par la Chambre des députés. En guise de conclusion et recommandation, le projet de loi portant réorganisation et modernisation de la formation technique et professionnelle s'avère très important. Il a sa place dans le corpus juridique haïtien. De ce fait, compte tenu de l'analyse approfondie qu'il a subie à la Chambre des députés, et n'y a relevé aucune anomalie majeure, la Commission recommande
à l'Assemblée des sénateurs de le voter dans les mêmes termes que la Chambre basse. Je vous souhaite gré, Monsieur le Président, de prendre acte du dépôt du rapport de la commission. Je prends la formation professionnelle. Il y a deux autres parties dans la formation technique et professionnelle. Premièrement, est-ce que dans la loi ça, il y a le rôle, disons, à Syrie d'Haïti, eh bien, tout employé qui travaille là-dedans, doit avoir une formation que l'entreprise a libérée. De voter avec valorisation des acquis, que les gars apprennent et que c'est l'entreprise qui font bien. Bon, bonne partie dans la formation, ce n'est pas l'État qui va dire, c'est l'entreprise. Ça, c'est un. Deuxièmement, le transfert des compétences. Le transfert de compétences et technologies. Si je dis à nos experts ou bien nos professionnels, nos baguettes, leur rentrer dans le contrat, il faut que lui-même les passe compétences avec justement soit des employés qui étaient là déjà ou des employés qualifiés et son formation reliée. Et formation ça, il y a parlé de génération en génération. Ça m'a dit, commission. Est-ce que tout aspect ça a abordé rôle des entreprises locales, transfert de compétences pour nous former justement par rapport à ces compétences spéciales? Monsieur le président. Deuxième et dernière motion. Oui. Alors, c'est justement parce que le sénateur Latour, tu peux aller vraiment bien dans la réflexion là. Et moi-même, pense, président, notre analyse textuelle, il faut que nous t'aurons. Qui sa texte a porté comme nouveauté et ça souffrit tout comme insuffisance de transfert de compétences. Non. Par exemple, est-ce que nous avons bien aimé qu'on est, est-ce que il y a un incitatif qui crée le texte de loi ça, qui permet que nous avons la tortue qui est ferme, en gros, ben, si nous avons appris une technique agricole. Est-ce que des incitatifs qui permettent, sénateur attendu, recevoir Timoun Sayo en stage, même stage d'observation pure et simple, la Kaili, qui va permettre Timoun Sayo transfert de connaissances entre grand monde qui peut aller avec jeune monde qui a venu pour ça t'a fait mieux. Donc c'est extrêmement important, très bien, d'aller au moins nous assurer que ça ne va quitter comme insuffisance. Mise au vote, ceux qui sont pour, levez la main s'il vous plaît. Adopté à l'unanimité. Moment arrivé pour faire une invitation sérieuse là. Bradila, pour lundi 23 avril, c'est parlé ce dossier de compagnie qui a traité ou encore qui s'est rencontré avec l'État sous affaire de télécommunication. Le bail de Conatel, parle de Digicel, Natcom, parce que nous avons fait deux rencontres déjà avec le Premier ministre Jacques de La Fontaine, directeur Conatel. Ministre Fitzcarraud, nous demandons pour le préparer pour nous donner le contrat comparé qui a desservi dans le pays d'Haïti. En même temps, nous demandons pour nous demander tout pour le ministre TPTC Fitzcarraud, capable de faire nous joindre directeur Semana, directeur FER, directeur AM, directeur OFNAC. Pourquoi pas, nous avons tout directeur d'INEPA. Du groupe direction SAO, qui a besoin de la France, de la VO, comme M. le président de la commission MTPTC, là vraiment important pour nous tendre et pour nous garder qui ça va gagner dans la culture comme travail de terrain et comme service que doit la population haïtienne. L'invitation a été lancée avec ensemble des directeurs SAO. Qui motive l'invitation exactement? Ça dit motif là déjà, on parle de, par exemple, nous connaissons des problèmes de communication en Haïti, il y a des gens qui plaignent en pile, ils mettent des minutes dans le téléphone, ils ne parlent pas dans le pays. Or, nous besoin d'un contrat, nous besoin d'un qui contacte entre l'État haïtien, entre nous de parler, nous besoin d'un rôle vraiment compagnie qui a direction dans le pays.
et pas dire c'est là autre jour là nous avons fait un travail là dans la session passée là, nous avons proposé en commission pour nous regarder qui s'annonce les statuts au SNAP. Et nous avons une semaine à tout, tout le monde regarder, nous avons regardé tout travail sur le code, on dit l'organe semaine là, nous avons regardé un statut sous affaires, nous avons parlé du code maritime. Nous devons travailler avec l'équipe Semana pour nous garder est-ce que vraiment Semana a joué le rôle qu'il devait jouer dans le pays. Et comment comprendre, et bien, parce que ça veut dire que nous disons directeur et Semana là avec nous. Même jean tout pour AM, même on a parlé pour faire que c'est fort le petit routier et que nous connaissons, nous payons un frère sur chaque tête licence 500 gouttes. Mais est-ce que nous gardons dans tout ton son et que nous de tronçons de vieilles dates, de routes qui trouillent, et est-ce que faire job, est-ce qu'il y a un entretien routier qui fait vraiment, c'est ça que je cherche à comprendre, ça veut dire que nous lancé notre plan, nous lancé notre invitation, nous attendons, nous avons promis ça par une part de nous, avec le ministre Fitzcar, sous affaires, et compagnie qui a fonctionné, compagnie de télécommunication qui a fonctionné dans le pays. Donc, on dit qu'on a d'abord et Fitzcarl comme ministre PTC pour venir avec le reste, dit que ça va nous demander. Nous devons dire qu'on peut comprendre, et dans le moment où nous avons un job de contrôle tout, qui travaille direction ça dans le pays. Est-ce que c'est à distance? Dans le moment ça, dans la commune Côte de Fer, qui c'est la circonscription à côté que moi député, c'est en cas d'agriculture, c'est un problème global dans tout le bas de ça. Déjà hier, qui fait que nous-mêmes, ensemble des députés, nous demandons au bureau pour convoquer le ministre de l'Agriculture là pour nous donner une explication sur l'ensemble des mesures qui parlent, qui sont capables de accompagner l'agriculteur et surtout avec l'introduction de semences et du riz que Natcom introduit dans le pays. Alors, le problème que le peuple de faire confronter en termes d'agriculture, c'est le manque d'encadrement. Parce qu'auparavant, dans les années antérieures, tu conjoint accompagnement du ministère de l'Agriculture dans plusieurs campagnes de plantation. Et comme on a parlé là, c'est une campagne printemps qui représente 60% de production agricole de l'IA. Jusqu'à présent, malgré un corps d'un budget pour ça, pas un accompagnement. Et il y a une campagne diverse, ça veut dire octobre, novembre, décembre, que nous sommes passés. Tu es supposé gagner un cadre, ça veut dire disponibilité de l'eau, semences pour agriculteurs et par une intervention ministère qui fait. Donc, faiblesse qui est capable de paraître en agriculture, par exemple, pour le faire, c'est tout pays. Parce que nous avons un ministère de l'agriculture, malgré la déclaration politique générale du ministre, il te parlait de l'agriculture comme priorité gouvernementale. Ce n'est pas simplement le problème de Côte de Fer, c'est le problème du pays en général. Mais Côte de Fer, c'est un commune qui a une diversité en termes de climat. Donc, on peut rejoindre dans la partie basse, dans la plaine sèche, les mêmes types de plantation. Et c'est là, à porte de bail pour plantation, côté de l'irrigation. Et puis, on a dans la campagne et le printemps, on peut rejoindre la plantation dans le monde. Ça a fait qu'on a une plantation poids. Donc, haricots noirs. Donc, on dit toujours, dans le temps, on accompagnement soit de nouvelles variétés de semences, ou bien appui à outils, ou bien à semences, pas rien. Alors que nous souhaitons faire 2-3 mois, tenir ces chaises, qu'on a la pluie à tomber, donc c'est une implantation 3 mois, sans aucun appui. Donc, tout autant, le ministère agricole, pas d'appui appui à, donc appui à pour sortir de l'autre côté. Ce n'est pas que je m'encourage une agriculture comme si faut tout super comme si venir le ministère, parce que quand même, faire une agriculture, donc c'est un business. Mais donc, recherche de variété, disponibilité de l'eau, d'intrants, donc c'est le ministère qui est de météo disponible. Donc, nous avons un bac qui est dysfonctionnel, direction départementale est presque disparaître. Et le ministère n'a pas appuyé. Donc c'est ça qui arrive. Il y a un humain qui attaque les poireaux, qui a détruit. Donc on est obligé comme député à l'acheter, produire ça pour capable et faire paysan ou peut-être faire un récolte. Mais ça c'est mission du ministère de l'Agriculture. Donc en gros, c'est comme sa situation agricole là y est pour communauté de faire qu'on a en plein plantation, mais dans une zone haute, dans une zone normale.
qu'on a dans une zone pleine, ça va être de mi-temps, mois d'avril, on va commencer l'implantation, maïs, petit. Mais l'autre problème de confronter, c'est toujours le problème. Pays en général, Côte de Fer, Guyen, petit, Sorgho, qui c'est une culture prioritaire. Alors que je dis, avec l'envahissement et insectes, donc petit, en général, nous perdons, nous avons deux dernières années sur le passé. Haïti perdit toutes les côtes dans Petit. Mais nous avons un moment qui est fondamental pour nous parce que c'est qu'on a là, nous voulons faire notre exploit de Petit. Tout le monde a fait là, c'est à base de Petit. Il va faire à Malte encore. Malte là, nous devons importer. Mais on a fait à base de Petit, voilà que nous avons un Petit. C'est qu'on a un laboratoire qui a testé une nouvelle variété qui existe à Pichon qui a attaqué Petit. Mais on peut arriver. Et tant mieux dans tout le pays. Donc, pas d'implantation de Petit Mou, mais pas d'espoir que a gagné disponibilité de semences par des pichons pour que les paysans soient capables de doter de lits. Pour chaque goutte, alloué dans le budget, quels sont les objectifs qui seront atteints et à la fin de l'exécution de ce budget. Donc voilà en gros les efforts qui sont donc faits pour améliorer non seulement la présentation du budget, mais le système budgétaire haïtien. Là, quelques initiatives récentes que nous avons prises. Tout d'abord, c'est l'identification des instruments alternatifs de financement, comme je le disais tout à l'heure. Et nous avons pris des initiatives pour mobiliser des ressources et valoriser les actifs de l'État. Et si vous regardez le budget, il y a un projet qui s'appelle Appui à la mécanisation agricole. C'est dans un souci de financer les infrastructures agricoles à travers notamment et des sources de financement alternatifs. Là, on a compris que l'État a l'aide de l'économie, il faut des partenariats entre le privé et le public. D'ailleurs, le décret du 17 mai 2005 prévoit ce qu'on appelle des conseils consultatifs, c'est-à-dire avant même qu'un programme soit mis sur pied, chaque ministère doit rencontrer tous les acteurs évoluant dans le secteur qui le concerne pour qu'on discute sur le contenu du programme. Et quels sont les objectifs? Comment le secteur privé peut intervenir et participer à la réalisation d'une politique publique? Quelles sont les interventions du MEF pour la relance du secteur agricole? Slide suivant. Il y a Dessine a déjà parlé de l'identification des instruments alternatifs, c'est pas la peine d'y rester. Il y a également des initiatives pour mobiliser les ressources et valoriser les actifs de l'État. Donc, c'est des actions en cours. Et aussi le financement des infrastructures agricoles à partir de programmes de financement externe et de bons du Trésor. Et cela suivant. Également l'amélioration d'un cadre fiscal favorable aux entreprises agricoles, cadre incitatif pour soutenir les industries afin de réduire la dépendance vis-à-vis des biens importés. Déjà dans le budget 2017-2018, slide suivant, on va voir qu'il y a un tarif douanier sur un certain nombre de produits importés qui ont été révisés dans le but d'encourager la production agricole. Slide suivant. Donc c'est au niveau du slide suivant que vous allez voir les produits qui sont ciblés et qu'il y a eu augmentation au niveau de ces tarifs pour protéger la production locale. Slide suivant. Donc il y a un certain nombre d'autres mesures, ça suivant. Il y a un ensemble d'autres mesures qui, en tout cas, se font conjointement entre le ministère de l'économie et des finances et la Banque de la République d'Haïti, comme l'élimination des réserves obligatoires sur les crédits agricoles. Et aussi, il y a le code des investissements
qui permet à un certain nombre de sociétés de développement agricole et de coopératives agricoles de bénéficier des franchises douanières et fiscales, et ceci allant jusqu'à 15 ans pour ces entreprises-là. Donc, c'est également des initiatives qui sont inscrites dans les mesures de relance, bien d'incitation au secteur agricole. Et aussi, le ministère de l'économie et des finances a un programme qui est en train, bien sûr, d'être mis en œuvre, le programme agribusiness pour promouvoir la création et le renforcement des PME. Donc, c'est un projet qui fonctionne au ministère, qui a plusieurs années et qui produit de bons résultats. Si je prends un autre exemple de la trésorerie et de la comptabilité publique, nous avons, M. Sinet tout à l'heure, vous a parlé du CUT, le compte unique du trésor, il est actuellement une réalité, je dirais, dans tous les ministères et dans tous les organismes autonomes qui dépendent de ces ministères-là. Et on cherche à intégrer dans le CUT, dans le compte unique du trésor, les fonds propres des ministères ou même des entités autonomes ou indépendantes, comme l'UH et l'Université d'État d'Haïti. Mais pour l'instant, les fonds externes ne sont pas intégrés dans le compte unique du trésor. Le compte unique, normalement, doit s'étendre au département. Je crois qu'il y a en cours, disons, la mise en place d'un poste, poste comptable en province. Et donc, on va chercher à intégrer, disons, les fonds, disons, des provinces. Et le compte unique, alors, donc, il y a un processus, et non seulement de consolidation du compte unique, mais d'extension du compte unique. Il y a un autre projet phare, c'est, disons, le déploiement des postes comptables au niveau, disons, du système de gestion des finances publiques. Alors, les postes comptables ont été déployés, je l'ai dit tout à l'heure, dans les ministères. Ils seront déployés, ils ont été déployés pour les différents pouvoirs, le pouvoir exécutif, le pouvoir judiciaire et le pouvoir législatif. Ils vont être déployés pour les départements, ou bien il y a déjà des postes comptables pilotes qui sont mis en place pour certains départements, dont le Sud, je crois. Et pour ce qui concerne les collectivités territoriales, il y a des négociations en cours pour qu'on entre la Direction générale du Trésor et de la comptabilité publique et le ministère de l'Intérieur pour mettre en place un poste comptable pour les communes, disons, directement de l'Ouest. Pour nous faire transformation, hein? Nous utilisons premièrement fouillot, ensuite sogade dans posture là. Nous gagnons cassavri côté que nous travaillons sur gaz propane. Nous faisons transformation de fruits avec les fruits de chez nous avec les moyens du bord. C'est-à-dire l'homme du les moyens du bord, donc c'est de matériel que nous t'a supposé gagner bien que nous en difficulté pour nous aujourd'hui. Mais nous cherchons à utiliser d'autres formules jusqu'à capable pour extraction jus de mangue. Nous cherchons à utiliser tamis par exemple, mais nous connaissons que il y a des appareils bien spécifiques que nous t'a capable gagner, mais vu que c'est cher, mais avec les moyens du bord, tamis, spatule, donc nous cherchons à extraire jus juste pour nous capable rejoindre, pour nous capable former un série de produits. Fruits ça là, nous gagnons ananas, nous gagnons confiture, nous gagnons goyave. On travaille dans préparer et puis transformer en confiture, en gelée, en marmelade, en divers et produits pour permettre que la population soit capable de goûter frais et goût saveur et payant et puis permettre tout les gagner plus et emploi et plus travail tout qui créé en dedans pays. Mais qui zone nous sortons? Nous sortons au Cap. Nous c'est produit alco. C'est alco. Donc en termes de matières premières, nous avons besoin pour nous faire transformation ça. Qui qualité en termes de quantité, côté nous joignons matières premières pour nous faire travailler ça. Donc nous achetons sur le marché public là. Et puis nous avons des gens qui travaillent dans le secteur paysannerien qui vendent nous. Tant que pistache pour nous faire mamba.
ananas et mango et corsol, toute qualité fruit nous besoin. Donc nous achetons dans le marché et nous gagnons monde tout qui c'est producteur, qui c'est cultivateur qui vend nos produits pour nous capable transformer. Est-ce que nous avons une quantité et entreprise nous a besoin pour nous arriver à mettre sur le marché? Les gain moment, les gain en quantité. Donc les gain quelques fruits, c'est par saison que oui. Donc les saisons nous joignons en quantité, mais les saisons passées tout nous va joindre en quantité parce que nous avons nous pas arriver nos capacités pour nous capable stocker on ca stocker pour un nombre de temps. OK? Mais dans saison fruits yo en abondance nous joignons en quantité. Mais les pas gain tout nous va joindre. Fruits nous transformer. Nous gain manioc, nous faire des variétés cassave, nous faire yo cassave salé, nous faire yo maïs, nous faisons cham cham avec, nous faisons maïs pour faire cassan, nous faisons maïs moulin. Nous avons plusieurs variétés confiture mangue ananas, nous avons confiture guayave, plus jeune guayave, nous avons confiture ananas, nous avons confiture chardonnay. Et puis pistache là, nous faisons pile notre bagage ma pistache là. Qu'est-ce que nous faisons pistache là? Pistache là nous prenons pistache à nous casser, nous mettons dans cassave là, nous faisons cassave enrichi et puis nous faisons un bon samavel, nous faisons pistache grillé et puis nous faisons un produit qui est carabinia. Pas une technique, nous gagnons un agronome qui dans nos formations, qui veut un agronome ça, c'est BND. BND bon nous agronome et puis BND tout les points produits dans menu yo voye snack dans l'école yo parce que nous même nous bay manger la tibonite nous bay manger dans nip et puis nous bay dans commune maïsad nous bay dans commune hèche nous bay commune tout monde nous bay un snack chaque jour dans l'école pour ti moun on arrive à transformer plusieurs fruits par exemple nous gen grenadier nous transformer dans plusieurs façons nous fait crémasse gelée grenadier confiture grenadier liqueur grenadier et pomme cajou. Nous faisons du vin avec lui, liqueur, confiture et quand il très demandé ces jours-ci, nous transformons en vin, en liqueur, en gelée, en confiture et en nectar. Et cocktail aussi que nous faisons en tamari. Et nous avons plusieurs produits. Pour ça, simplement crémasse, nous avons 4 diversités. 7. Et en meubles. Nous travaillons tout, Jean Carrella avec ancien, avec vieille palette. Nous transformons, nous faisons venir cabaret ou bien pot de vin, Jean Wea. Côté nous jeune ensemble de matériel ça. Moi passer dans un paquet comme si j'ai des amis qui gain garage, toute pièce qui pas bon encore que yo pas utiliser, moi stocker yo et puis l'aime besoin travail pour me ca joindre yo pour me travailler. Dans le cadre des dispositions que chaque pays qui fait partie de la Convention sur la biodiversité a doit prendre pour bailler des indicateurs qui comptent sur le niveau d'application de la Convention sur la biodiversité. Donc, c'est vrai que tu es prêt pour appliquer la Convention sur la biodiversité. Donc, le secrétariat de la Convention sur la biodiversité a demandé à ce que chaque pays yo produit des rapports nationaux. Donc au niveau Haïti, nous au niveau du 6e rapport national qui gagne pour objectif pour rendre compte de qui progrès qui accompli en termes de conservation de la biodiversité en deux pays en même temps tout que fournir des éléments de formation qui capable aider secrétariat convention biodiversité à gagner une idée générale de ce qu'a fait le chaque pays sous question de la biodiversité en termes de mesures de protection et de conservation. Parler de progrès qui fait justement. Donc progrès qui fait yo nous évaluons à partir d'un ensemble de priorités nationales que ministère de l'environnement que l'été adopté. Donc parmi yo nous gagnons quantité de air protégé que cap créé en deux pays pour arriver à conserver et biodiversité yo. Donc nous passons que avant 2012 à 0.3% en termes de couverture du territoire pour air protégé. Et actuellement, que nous avons près de 4% pour les aires terrestres protégées
et à plus de 7% pour les aires marines protégées. Donc c'est des mesures qui prennent pour créer des aires protégées pour que capable une gestion particulière qui fait au niveau des zones que nous considérons comme des zones clés de biodiversité. L'autre exemple que nous sommes capables de prendre en termes de progrès qui fait, nous gagnons des jardins botaniques qui créent un jardin botanique que même lorsque c'est une initiative privée et au niveau Okaï, mais en même temps, nous gagnons une initiative que le ministère de l'Environnement, ensemble avec UNESCO, prend pour créer et un jardin botanique ou ensemble d'écosystèmes, que ce soit des écosystèmes terrestres, des écosystèmes mangroves. Donc au niveau de Parc Makaya, au niveau Forêt des Pins, au niveau Parc La Visite, donc au niveau de Bellance, gagner un ensemble d'initiatives que le ministère de l'Environnement, ensemble avec des partenaires, que commencer à mettre en œuvre pour essayer de restaurer et un ensemble d'écosystèmes qui d'importance capitale, non seulement pour le pays, mais aussi au niveau international. Qui mesure nous prenons pour un mangrove? Mesure concrète pour mangrove. Ok. Sur le plan légal, première décision qui était prise, c'était en 2013, côté que y a une interdiction qui prend pour que vous interdit que vous exploitez mangrove là sur tout le territoire national. Mais parallèlement, au niveau du ministère de l'Environnement, que nous commençons à renforcer les dispositifs de surveillance environnementale. Donc c'est pas un bagage qui facile pour que le ministère de l'Environnement, pour qu'on parle, y arrive à résoudre le problème là. C'est peut-être ça que nous comptons avec appui de tout le monde, autorités locales et autorités nationales, des institutions internationales, des organisations écologiques, pour aider le ministère de l'Environnement à appliquer ensemble de mesures qui prend et aider nous à faire que la surveillance environnementale là soit vraiment efficace en termes de résultats. Pour le sixième rapport là, c'est que nous avons mis l'accent sur ce qui fait. Et déjà la question de biodiversité. On s'est dit que là, qui niveau que nous avançons, nous mettons en œuvre et convention sur biodiversité. Donc nous gagnons pour nous que zone de conservation, qui ça qui fait là dedans, nous gagnons pour nous que en termes de espèces, que qui gagne en pays, que est-ce que on voit de disparition ou bien est-ce que ça qui est en voie de disparition, il y a des mesures qui prend qui pourrait dresser. C'est garder qui pression qui exerce sur biodiversité. Donc c'est un ensemble d'informations que nous avons pour nous bailler sous situation biodiversité en deux pays et cap servi à secrétariat de la convention biodiversité pour que au moins lire comment état biodiversité que lié à travers le monde. Une présentation sur plan et sixième rapport que vous avez présenté tout à l'heure. Ensuite, vous parlez de objectif Haïti, notamment qu'on est thème ça qui c'est qui ça Haïti. Donc objectif Haïti a c'est outil préfecture au Japon côté que gagner et secrétaire à la convention sur biodiversité qui a organisé une conférence avec toute partie qui en dans convention sur la biodiversité et là-dedans gagner un plan stratégique 2011-2020 que qui a adopté ça gagner 20 objectifs que c'est et que parti yo yoté by tête yo et c'est en fonction des 20 objectifs ça yo que yo relé les objectifs d'Haïti pour traduit ou bien pour marquer que c'est au niveau de la préfecture d'Haïti au Japon que objectif ça que plan stratégique ça a été adopté. Au niveau de objectif et objectif 11 d'Haïti, il fait obligation à chaque pays pour réserver 17% de territoire pour aires terrestres protégées et 10% pour les aires marines protégées. Et moi dis nous que en 2012 que nous avons gagné 0,3% du territoire qui était réservé pour les aires terrestres protégées. Donc actuellement, nous passons de 0,2% à près de 4% et en termes de territoire protégé. Donc nous avons 13% pour nous travailler. 13% pour nous travailler et nous continuer à travailler pour que nous atteignions l'objectif ça. Et pour les aires marines protégées, qui ont demandé que nous ayons réservé 10% du territoire pour les aires marines protégées. Donc nous actuellement à plus de 7%. Pour les aires marines protégées, c'est-à-dire que nous presque atteignons l'objectif ça que nous demandons pour atteindre 10% pour les aires marines protégées. Mais pour les aires terrestres protégées, il y a un pile effort à faire et nous compter à partir des zones clés de biodiversité qui existent un peu partout en deux pays pour que nous déclarions une partie qui demande pour gagner 17% de territoire en aires terrestres protégées. Donc, pour le sixième rapport là, que secteur qui concernait la question de biodiversité et deadline que nous gagnons. Pour que nous soumettions le sixième rapport là, c'est 31 décembre 2018. Il y a des mesures concrètes de réhabilitation de mangroves
prend en zone côte sud là, côté avec communauté yo, ministère environnement multiplier des pépinières de mangrove, nous replanter mangrove. L'autre mesure encore qu'a prend tout c'est fait ou fait mon ouais mangrove là on l'autre gens montrer que fait élevage apiculture la mangrove là, montrer en dehors de rôle mangrove là par rapport à rôle tampon les gains radmare ou bien les gains go inondation, mais mangrove là tout ils sont l'autre qui capable bailler l'autre service environnemental. Dame ajouter à ça directeur biodiversité a fait ce dire là. Biodiversité a li pas en question abstrait que lié. OK, c'est diverses qualités plantes, animaux, écosystèmes yo et gènes qui associés à plantes yo qui a fourni un ensemble de services à population. Que ce soit la sécurité alimentaire, la sort à manger, que ce soit service de l'eau pour irrigation, de l'eau pour boire, que ce soit wall, zone protégée, les gagnants désastres naturels pour protéger la population. Haïti, nous pas un pays à part. Nous y est avec la communauté internationale à part des traités. Le traité ça a fait nos obligations diversité en dehors de espace protégé. Il se parle nous tout à l'heure là de effort qui fait pour mettre un pourcentage territoire pays en air protégé, que ce soit la zone en mer, que ce soit la zone en monde, ça veut dire c'est des espaces qui pourraient réglementer. Naturellement c'est la dynamique ça que le ministère là est. Nous connaissons que bon agence qui spécialement créé pour occuper de biodiversité, hein, qui c'est l'ANAP, l'Agence nationale des aires protégées. Maintenant, lui, la direction de la biodiversité, la ligue l'œil sur biodiversité en dedans, mais tout ligue l'œil en dedans et en protégé, ligue l'œil tout sur biodiversité en dehors espace protégé. Je vais donner un exemple. Nous connaissons que on nous prend les organismes génétiquement modifiés. Très probablement, nous connaissons que des fois, il y a des plantes transgéniques, plantes qui ont modifié les gènes. Les conseils, les plantes, ça, si on rentre dans le pays, sans réglementation, ça a été pollué plantes traditionnelles que agriculteurs qui sont base manger. Donc, toute question biodiversité, nous devons revoir tout à qui contrôle des plantes transgéniques, des semences transgéniques. Des semences transgéniques et qui contrôle aspect ça tout. Donc c'est pas un bagage en l'air, c'est un bagage qui est concret là-dedans. C'est normal pour que le pays a rende compte parce que nous connaissons son petit village, ok, nous pas qu'à un pays à part, nous pas qu'à à considérer tête nous comme le singulier petit pays. Faut nous son pays normal. Parce que c'est un cyclone qui l'a annoncé, il y a un groupe de jeunes et qui est regroupé autour d'organisations qui étaient venues avec nous dans la mairie pour nous regarder qui possibilité de gagner exploiter, pour nous faire une visite, guider, pour nous évaluer la situation difficile, environnement, zone ça,
qui abritait un plus gros patrimoine villa qui c'est tunnel de Dikini, qui était construit en 1940 par le président Seigneur Vincent, 78 ans après. Eh bien, nous voyons que c'est un côté qui n'est pas dit totalement abandonné, mais qui est assez, qui pas vraiment gagné, qui est assez exposé pour la population. C'est quand même ici là qui construit sur 1,5 km de long et environ 2,4 à 2,5 mètres de large. Un tunnel qui est aussi long, qui prend toute l'eau dans la zone, qui allait jusqu'à sous Bel Air. C'est là, Palais National, toute institution dans cette ville-là, c'est là de l'eau sortie. Et je dis, nous voyons que toute zone est bien totalement construite de manière anarchique. Tout pied bois fin coupé et il y a un tarissement justement de sources là, de sociaux, et ça réduit considérablement le débit qui est supposé alimenter. Deuxième bagage, c'est que même nous dans la zone d'Ikini là, par exemple, un kiosque, puis on joue de l'eau pour boire. Il y a de l'eau pour boire ici, parce que c'est là le tunnel là. Même j'ai avec le navire pour aider à chasser ou derrière là, il y a deux centrales, puisque 30 MW de capacité de production dans la zone Kafoua. Mais le monde Kafou n'a pas de courant tout. Donc on a essayé de garder ça passé pour nous voir qui ça nous le fait. Malgré toute l'eau sur Kafou, nous n'avons pas de bouche d'incendie lorsque du feu pour nous alimenter comme bien, pour nous bailler de l'eau, pour nous joindre de l'eau pour nous pourner. Nous devons là avec Genio, avec le commissaire de police là, et Bacob Udmo qui est le mairie et le tribunal de paix de Kafou que nous remercions pour nous faire une visite guidée et évaluer la situation et annoncer des mesures par rapport à ça nous prendre comme décision, nous voulons dire, avec Dinepa pour nous protéger les zones, assurer justement survie, monde qui utilisait de l'eau sable au bois pour faire toute notre activité dans la métropolitaine de Port-au-Prince. Ça, c'est 24 quartiers environ qui nous desservent. Okay. Initialement, si nous regardons ce pancarte là, c'était 25 000 mètres cubes au moins initialement. Je dis, il y a moins que 12 000. Ça veut dire qu'il y a une réduction considérable de débit. Et je me souviens du cyclone Gordon et Zamien qui l'a expliqué nous que l'eau était tellement. T'as vu la force, il est même arrivé là, je dis à les réduit considérablement, et là même là, en train de tunnel là où elle crée problème. Côté délimité espace là, mais là, nous sommes gardés à l'heure, dans la tête sous là, côté nous a construit de manière anarchique, c'est tel état où il est. Bien, il y a tout le monde prend, il a construit, et là, il a construit tout remblé ça, tout sable ça, ça a fait, il n'y a pas poté, il n'y a pas retiré, il a plutôt descendre, et bien, il vient. Bah problème en bas et tout le monde dit que je dis à menacer ville là menace. Il faut toujours gagner de l'eau sur votre carrefour là. Ministère environnement, eh bien en 2013, c'est un projet pour te protéger la zone là. Il a fait trois postes, eh bien, pour te mettre agents environnementaux. Depuis là, pardon, grand agent qu'il a et tout le monde je dis a fait une construction dans l'espace ça. Eh bien, la prochaine grande guerre du monde sera réalisée à partir de tarissement sous de l'eau dans le monde, hein, c'est la guerre de l'eau. C'est ça, hein, parce que je dis, si nous avons deux, trois petits bidons de l'eau Kafou, nous avons une obligation comme Maïssa pour nous protéger là avec l'État, avec Dinepa. Nous avons accepté, nous avons construit de manière anarchique sous tête sociale, et puis couper tout pied bois qui est là, pas de personne, en tant qu'il y a en bas, pas de capacité en même temps, pour moi que en l'air, il a construit, en l'air, il a coupé pied bois. L'organisation, pas de gros moyens en main, et c'est eux-mêmes tout ça qui fait sans un monde avec moyen par eux. Donc c'est normal comme ça un biofel, mais nous passons jeudi à c'est un cri d'alerte. Nous sommes qui exposé, non seulement lui exposé, donc nous exposer tout, c'est là qui est alimenté. Le premier bagage, c'est que nous avons dîner pour mettre des kiosques effectivement pour nous dans un jeune de l'eau au bois. Il n'est pas possible, monsieur, pour nous boire ici, là, et bien, pas qu'à jeune de l'eau traité au bois. Nous n'avons pas une considération pour nous dîner, pas que nous disons qu'il n'y a pas de l'eau, qu'il n'y a pas de kiosque pour la population là. Pas de considération pour faire pour ça. C'est rapidement pour faire. Si vous n'avez pas de moyens, si vous n'avez pas de moyens, puis vous m'avez demandé, il y a une possibilité sans café d'affaires. Mais sous principe, je ne dois pas faire ça. Nous, nous ne pouvons pas hésiter, nous ne pouvons pas lésiner sur lui. Deuxième bagage, c'est nous avons demandé au président Jovenel pour effectivement, à travers Dinepa, il faut une nouvelle arrêté présidentielle qui rafraîchit l'isière, et bien, air protégé ça, pour assurer que je dis à espace sale protégé. Pour protéger les gens qui vivent dans l'environnement, protéger l'environnement, protéger nous-mêmes, tout cas fou, protéger les gens qui vivent dans la ville, parce que c'est là où on prend de l'eau. Nous-mêmes, je dis, étant que jeunes qui organisent l'ensemble, et nous lancer, tout ça pour nous lancer déjà, problème environnement qui prend le problème à l'espace dans deux ans. Si nous ne faisons pas de bagaille, Haïti, la communauté a subi un paquet de bagaille. Et spécialement, dîner pas, qui gagne en légèreté, moi-même spécialement avec un groupe, nous chitons avec, nous faisons quatre réunions, les quatre de dîner pas. Ça gagne 8 mois. Porter recours avec richesse ça qui gagne là
pour 1 an, 2 ans encore pour nous pas tomber dans la catastrophe ça qui est là. Et nous pas dire en pile. Et nous avons route pour nous faire, faut que la protéger. Et Vincent Hibert qui est en sécurité qui est là, il n'y a pas rien dans nous. Là, tout le monde public, nous battons toujours et j'ai ouvert. Car construit dans l'espace de distribution. Nous disons non, étant que jeune, zone, étant que citoyen, si l'État est dîné pas spécialement, qui a exploité richesse, nous là, et nous qui suivons elle, puis devant, si pas de rien que fait, nous-mêmes, nous avons pris responsabilité nous pour nous faire, pour faire, tant de voir. Et j'espère que le président attendait, dans le caravane changement qui gagne, je dis à pour être capable d'accompagner nous-mêmes dans la zone ça. De toute forme, moi, commissaire là, je vais pour nous faire ensemble. Toute zone après qu'il est, Matisse, Fontamara, côté Abkrasé, c'est là que nous avons vu. Si nous avons fait ça, c'est là. Nous, qui est-ce qui est dans la communauté, nous-mêmes, nous avons vie paisible, nous avons suivi. Après un an, nous avons besoin. Bon, c'est pour l'État, pas pour responsabilité pour tout le monde. Dans le monde qui est là, nous connaissons des pièges. Nous-mêmes, l'État qui est citoyen, nous dit l'État. Toute instance qui concerne, journée et jeudi. C'est accompagner nous. Nous, c'est l'État, nous payons taxes. L'État, c'est nous. Je dis, nous devons rendre nous tout ça pour nous battre en tant que peuple. Bilan de 4e édition Village Alternativa qui était réalisé 6-7 avril. D'après ce voir, village là pour 1er juin et 2e juin. L'été organisé, été réalisé sous site Bassezim. Pour Village Alternativa Anessa, après une année de travail, coordination mouvement Alternativa en Haïti, ensemble avec collectif Alternativa Plateau Central, il y a près de 2800 personnes qui étaient mobilisées pendant 2 jours. Et ensuite, il y a différentes activités qui étaient prévues. Et pour te réaliser des conférences et puis la parole vraiment aux acteurs de terrain qui étaient intervenus pour te poser problématique agriculture là. Village Alternativa et 4e édition, l'été chita sous problématique agriculture et en même temps tout pour mobilisation citoyenne. Dans l'ensemble, 4e édition ça, c'est un succès là, aller au-delà de l'attente que nous t'es visé pour 4e édition. Nous t'es pensé uniquement te bay espace là avec paysan yo, mouvement paysan yo, et puis ensuite croisé avec acteurs de l'extérieur yo. Mais ça que nous avons remarqué, c'est que au-delà de ça, participation yo matérialisé vraiment dans 2 jours ça sur question engagement citoyen suite avec un incendie qui est arrivé pendant la période village là. Année ça, c'est avec un peu de plaisir que nous t'ai accueilli, nous t'ai recevoir notre 4e édition Village Alternativa dans plateau central. Normalement, donc, gens que nous te prévois ça, donc c'était vraiment une ambiance pareil par le fait que en pile monde te fait déplacement pour te venir vivre événements et sociaux, culturels et environnementaux si là. Donc, gens que nous te dit ça, te gagné plusieurs conférenciers, docteur Kijan Marie, donc agronome Axène Joachin, Mounsa Yoa, te plus ou moins. Donc fait travail assez bien sur question conférence qui était supposée by Lyon, c'était sur histoire environnementale plateau central, et l'autre là c'est tout, c'était sur changement climatique. Donc nous connaissons qui c'est un enjeu, un fléau qui a ravagé le monde là. Et effectivement nous te recevoir tout on tout au panoplie de timoun qui t'a fait qui t'a venu participer dans l'activité qui t'a pour avec éducation relative à l'environnement et pendant tout ça. Donc réellement c'était un village sans pareil, donc qui t'a fait sur 2 sites différents. Alors normalement dans le village ça t'a gagné présence plusieurs personnalités de marque qui sont soit dans la communauté avec l'autre côté dans le pays, même au niveau international. Donc et magistrat communal a été présent avec nous et qui a lancé des bails depuis dans le premier jour et fait toute journée avec nous dans le deuxième jour dans le site Bassezim. Nous avons gagné l'ambassadeur Almaïlan qui était présent depuis le premier jour ni dans le deuxième jour. Donc nous avons gagné présence et ensemble d'organisations qui sont dans le département et qui était présent donc avec délégation donc pour Chabanja Baptiste, donc pour agronome Mille Michel, Justin Tireza, c'est Mounsa qui était présent et nous avons ancien sénateur Francisco de la Cruz ensemble et monde qui fait partie de l'université dans le plateau central qui était présent en chair et en os dans toute activité que tu prévois faire. Et l'autre bagaille qui était intéressant, c'est exposant
Chakapela, donc son ensemble de manger qui était exposé et moun yo était vraiment remè yo. Et ensuite te gagné tout donc exposant qui était venu présenter et produit local qui était fait et qui fait dans plateau central qui était présenté. Donc en fait 4e édition Village Alternative Bar dans plateau central, donc nous te travail en pile pour lui depuis mars 2017 et effectivement donc ça lui vient retourner une réussite pour nous. Pour faire fonctionner bureau ONI dans le boy pour résoudre problème pièce identité dans la commune. Congrès amendé pour le ministère de la Justice inauguré à faire fonctionner le complexe administratif ville au boy là, qui était là pour téléger le tribunal de paix au boy là avec le bureau ONI dans le boy. Sans compter officier état civil là. Congrès amendé dans le domaine infrastructure pour qu'il y ait un changement avec asphalte sur tronçon route ça. Congrès amendé pour qu'il y ait un changement construit route qui pour collecter toute cette section communale au Boyo. Et congrès amendé pour qu'il y ait congrès amendé pour le ministère de l'Agriculture renforcé BAC au boy là, pour nommer agronome et agent agricole, pour encadrer l'association plantaire, pour encadrer l'association pêcheur, dans le matériel et bateau pour être capable de mener l'activité. On a demandé pour nommer, alors pour le ministère de l'Agriculture nommer agent vétérinaire pour occuper Bertio, bail crédit à tout secteur agricole là. Pour le ministère de l'Éducation nationale, mais ça congrès amendé, nommer professeur dans toute l'école nationale, payer tout professeur suggéré à petit personnel là. Construire un local pour loger lycée par région dans Tibouko Boy. Construire un centre d'animation culturelle dans la commune Boy. Construit l'école nationale, mettez campé une école professionnelle dans la commune au boy, augmenter l'inspecteur dans la BDS là, construit une bibliothèque pour jeunes, retourner dans la place, tout professeur contraire pas renouvelé, passé. Congrès amendé pour le ministère de la Santé publique, transférer sans perdre du temps, docteur Tony Voltaire, dans la tête de l'hôpital Alliance Santé Boy là. Congrès amendé pour construire un centre santé dans chaque section communale qui pague un service santé. Nommer un responsable avec docteur et infirmière dans le centre santé de Tibouko Boy. Faire captage source à construction bloc sanitaire dans toute commune. Congrès amendé pour construire une passerelle sur la rivière Tibouko Boy qui mène dans le centre santé. Tibouko Boy là. Ça, c'est ensemble point qui sorti dans la résolution congrès a adopté dans l'activité que nous avons menée depuis hier pour arriver journée aujourd'hui. Contexte qui fait nous venir avec le festival ça. Premièrement, contexte ça, c'est une façon de valoriser et culture venir avec l'idée pour une visite qu'il a fait aux États-Unis. Et puis l'Italie était côté de la faire un festival mango. Et puis là que le venir par rapport avec banane que nous gagne, pile banane que nous gagne à Kaye, mais il te dit mais pour qui ça que ici en Haïti. Nous connaît que tremblement de terre a dépassé puis il était écrasé presbytère là. Mais nous avons nécessité pour nous faire activité ça juste pour nous faire lever de fonds pour nous capable économique dans la dernière qui toutes différentes façons pour capable consommer produit ça qui c'est bon nan. Mais les gain en partie culturelle de la dernière n'ta cap même pas musical tout parce que année ça touche n'ta cap touche spécial que nous porter la dernière c'est le fait que année ça nous intégrer élève l'école la dernière
dans présent dans l'intégration élève l'école nous gain ça qui nous gain un concours que nous organisé le concours dissertation côté que nous éviter élève pour réfléchir sur aspect ça sur bandan dans la caillé et thème que nous choisi à ça c'est bandan dans plein caillé une richesse dans la culture pays nous. Ça veut dire que l'élève va gagner non seulement pour faire une dissertation et sur les gens qui proposent des chants, gagner tout qui proposent des poésies et d'autres activités tout que nous pouvons gagner à travers concours ça. Et jour ça même dans le festival là, c'est ça qui n'a bien pour nous faire final et concours ça côté que l'a bien élève même qui va présenter et œuvre document qui travaille sur les yo. Et puis après ça tout n'a bien parti une table de partie musicale tout n'a bien Didier n'a bien un groupe qui c'est Borders Passy qui a venu cap performer. Nous gagnons tout, nous avons un groupe dans la zone qui est le OAS qui la donne tout, mais après nous avons isolant tout, comme nous avons isolant, c'est mon akaye qui est lié. Et c'est un homme qui a un artiste invité qui a bien, qui a bien performé dans l'occasion, dans le festival. Il y a un monde qui a regardé sur Télé Guinée, donc qui est-ce que tu as motivé pour le déplacer à l'akaye dans le festival Banane? Ah, je pense que go paquet de bonnes bagages que nous avons fait avec Banane, c'est l'occasion. Qui c'est au niveau gastronomique, qui c'est au niveau artisanal, qui c'est au niveau artistique, c'est qu'on a regardé ça comme ça. Ça vit son moment, on va le faire une découverte, on va le garder pour voir tout ça qu'il est capable de faire avec Banane. Parce que nous avons besoin du vin, nous avons besoin de gâteau, nous avons besoin de. Bon, c'est pas qu'il y a un peu de pita que nous avons déjà, mais nous avons besoin de gâteau, nous avons besoin de pain, nous avons besoin de tout un paquet de bagages que nous faisons avec Banane. Et peut-être que c'est quelqu'un là dedans qui nous dit, mais les mêmes trucs qu'il a venu après ça, on va faire notre découverture. Festival Banane dans Akaye, 5e édition en matière de résultats, qui ça nous gagne comme retombé, qui fait jusqu'à présent, nous continuons à faire. Eh bien, retombé historiquement, et puis par rapport avec nous-mêmes, tout plus que nous en route pour nous capables de commencer avec le travail construction et presbytère là, ben c'est tout ça qui gagne comme retombé. Et puis tout avec l'autre monde, tout qui vient connaître, qui vient voir l'importance de Banane gagné, et puis qui j'accueille la même façon que même tout capable d'utiliser Banane. Non pas seulement manger Banane bouillie, mais capable de faire l'autre bagaille que capable faire avec Banane. Donc, vous parlez là, vous dites que c'est une façon pour permettre que vous mettez Banane en valeur, dans l'AKR, nous connaissons qui est ça comme une renommée culture Banane. Donc, vous dites projet à l'IPARET qu'on a avec une portée nationale, pour ne pas dire internationale. C'est un message pour chaque autre ville dans le pays, quel que soit notre département que lié, dans ça qui est pour avec culture Banane, c'est qui ça le tapis. C'est n'attend tout moun yo c'est venir on d'cap dire en foule côté que nous avons rencontré avec eux c'est dans la balade que nous au bord de la mer nous sommes avait dit que nous gagne pour capable profiter toute journée non seulement pour manger pour capable baigner pour capable parler puis la finir chaud ce capable moment pour capable rencontrer avec eux ça yo message avec moun cap cultiver banane dans l'autre département dans l'autre ville. Bon, je pense que c'est moyen pour nous capables de faire promotion pour Banane, parce que Banane a les places importantes dans la vie nous. Et surtout, nous avons dit pour même au niveau de la caille, formation, éducation, tout le monde, parce que 3-4 personnes qui ont dit 45-15% de monde dans la caille. C'est avec Banane qui ont fait les. Et puis c'est encourager, je pense que avec ça, parce que c'est l'heure qu'on exporte Banane. Mais je vous dis, je pense qu'on est capable de toujours faire même bagaille ça. Et puis tout le monde a souhaité que un peu l'encadrement que nous jouons avec ça, qu'on est capable de permettre de continuer et faire Banane. Et puis pour même revenir, pour même exporter vers l'étranger. Nous attendons tout le monde le 22 avril. Dans un cahier, c'est là que nous jouons, c'est là que rendez-vous allié. Quitter Port-au-Prince, venir à Cayenne, nous avons une bonne main, nous avons une bonne distraction, nous avons tout ça que nous avons besoin dans tout ça que Banane a fait. Nous pas jamais reconnaître. Cotisant comme véritable partenaire ONA. Côté l'argent ONA a fait la gote, cotisant yo pas capable de joindre service. Même quand yo pour preuve à conviction, je ne vous dis aucun ouvrier qui cotise dans ONA pas capable de joindre. Pendant ce temps, l'argent a fait la gote tout côté dans ONA. Je ne vous dis pas. Officiellement, le monde syndical haïtien a dénoncé grabuge administratif qui n'a rien. Conseil d'administration, ça,
li dépassé par les événements. Et nous ne connaissons pas est-ce que le conseil d'administration li entremêlé nos séries de bagailles qu'a fait Andan Onado qui fait une érudition, yo pas jamais dénoncé et yo pas jamais arrivé plan parti pour cotisant qui c'est ouvrier qui gen code placé dans Ona, yo pas ka joine prêt, yo pas ka même joine canet dans Ona. Et c'est peut-être ça journée aujourd'hui, nous accompagner avec coordination syndicale haïtienne pour nous dans semaine qui vient nous pour porter plainte pour Ona. Nous pour porter plainte pour Ona pour qui ça? Parce que gen ouvrier qui fait 33 à 35 ans qui travaille dans usine factorio et qui gagne pension yo voye pour aller prendre Ona et puis là arrivé on n'a pas capable de délivrer aux pensions. C'est comme quoi l'agent ouvrier ça a été en gagoté, il n'a pas gagné Ona. N'a prend exemple, nous gagnons un caprici, nous citons une là-dedans, qui c'est René Pierre Paul, qui fait 33 ans qu'il travaille dans la factory. Et l'arrivée qu'on y a à l'âge, il dit qu'il n'y a pas qu'à travailler encore, il a les lettres pour la proportion dans Ona, direction Ona, pour toutes raisons ça y est. Nous-mêmes, dans la coordination syndicale, là, en monde syndical là, associé ensemble dans la question, ça, nous commençons des démarches pour nous porter plainte pour Ona et dossier de temps à travail pour nous porter plainte pour Ona pour nous faire Ona respecter cotisants. Pour nous faire Ona bail cotisants, valeur que vous avez la donne, parce que l'argent Ona, c'est cotisants qui la donne, nous pas le droit à faire l'autre gagote. Et c'est peut-être ça tout. Nous avons demandé à Ona Ona pour gagner un audit qui a le fait. Parce que le conseil d'administration est dépassé par les événements. Nous voulons gagner toute certitude que Ona, que l'argent qui est Ona, que l'a fait bonne fonction pour ouvrir. C'est peut-être ça, nous avons demandé pour supérieur des comptes pour faire un audit dans Ona pour briquer courir dans la rue pour remettre ça, tu es capable de suspendre. Dix ans pour publier que le bail machin machin en fait 20,000 gouttes. Amsim Abdi, résident Jovenel, prend engagement parce que vous te dit bien, faut que maman c'était un machin comme soi-disant ou ta con doule machin. Le président ou te dit à bouche que pour le bail ti machin yo accompagnement assistant social et bien président ti machin victime yo pas joine rien en bas ministre qui te mette sous dossier machin c'est riche ou vin plus riche sous deux machin c'est tes amis et ti fami yo que yo bail chèque sous deux victimes président Jovenel commission ça que formé machin marché en fait Poko jam wè ak figi yon la dan. Yo, jou, jous ale pou yo ta fè, machan beneficie chèk. Sak fè nou pi mal, minis ed. Enit rele yo machan an ba, chal pou li bal lis plat d'honneur. Kom machan vitim, machan an ba. An fè, aloske, men machan sa, pa jwenn kòd nan chèk minis e ni tab distribye yo. Amsim ap mande prezidant Jovenel si la kombat korupsyon vre fòk li rele komisyon sa ke li te mete sou pye yo, sou pye ya pou yo bal rapò sou konbyen la jan yo bay deja e konbyen vre machan ki beneficye la jan sa. Près de la base aérienne de Boufarik, dans le sud-ouest d'Alger, on aperçoit la colonne de fumée qui émane du lieu du crash. Dans ce champ près de l'autoroute, les secours dépêchés sur place entourent la carcasse de l'avion militaire à la recherche de survivants. À 8h heure locale, l'avion de l'armée de l'air algérienne décolle de l'aéroport avec une aile en feu. Selon des témoins, il explose dès qu'il touche le sol. Le vol en direction du sud-est du pays incluait une escale à Béchar et devait atterrir à Tindouf, près de la frontière avec le Sahara occidental.
Un territoire disputé entre le Maroc et le parti indépendantiste Front Polisario depuis 1976. Au moins une vingtaine de Sahraouis se trouvaient à bord de l'appareil. Parmi les victimes, des militaires, des membres de leur famille et 10 membres d'équipage. Les corps ont été transportés vers l'hôpital militaire d'Alger pour identifier les victimes. Arrivé sur place peu après l'incident, le chef d'état-major de l'armée a ordonné l'ouverture d'une enquête. L'avion accidenté, un Ilyushin IL-76 de fabrication russe, peut transporter entre 126 et 255 passagers en fonction des modèles. We'll be right back.